Salut à tous, c'est Akilan et on se retrouve comme d'habitude exactement là où on s'était laissé. C'est-à-dire que je venais de commettre mon premier larcin en tant que voleuse. Dieu, c'était devineuse, ça vend du rêve. C'est-à-dire que j'avais dérobé un machin, voilà, un journal intime. Que vous pouvez lire si vous voulez, hein, donc vous connaissez le truc, vous faites pause, etc., etc., etc. Et donc, j'avais passé l'épreuve éliminatoire pour entrer dans la guilde des voleurs, qui m'intéresse fortement. Et après, je m'étais bourré la gueule pour fêter ça. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller livrer ce journal. Ah, j'ai hâte d'avoir fini la session pour pouvoir lire ce qui est marqué dedans, dis donc. Je trouve que c'est un truc salace. Journal intime de DSK. Et j'avais doublé de peu cette charmante demoiselle qui était très en colère. Maintenant, elle me déteste, hein. Oh, voleur! Vous m'avez volé ce journal! Je dois maintenant attendre d'entrer dans la guilde! Oh, je suis désolée! Salutations, sœur impériale. Alors, je suis bien comment? Il me semble que j'avais bien mieux comme armure. J'en ai pas pour l'eau, désolé. Voilà, j'ai une cuirasse de Gvatch qui renforce ma force et mon endurance. Et avec ça, je pète la classe. Voilà. Meilleur habit du monde pour devenir voleuse, hein. Le blanc, vous le saurez. Et ça marche bien avec les assassins, alors je vois pas pourquoi ça marcherait pas avec les voleurs. Donc là, je suis en train de faire n'importe quoi, c'est par où? C'est par là! Bonjour monsieur! Oh, peut-être qu'il vit dans le quartier du jardin des élus. Ah, toi, t'es toujours en train de chercher, d'accord. Eh ben écoute, charge bien, hein. On se voit dans 3 jours. Comme t'auras compris que je t'ai pas su. Ah. T'es un peu trop sensible, ma souris. Attendez, hop. Oui, effectivement, c'est un petit peu trop sensible! Alors, il est où l'autre fion? Hey, j'ai le journal. J'ai le journal. J'ai le Motherfucker journal. Il va prendre l'autre journal, je te préviens. Bon, je suppose qu'il faut que j'attende 24 heures sous la flotte. Bah oui. Non, 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 c'est pas une vie d'être voleur, je vois, je veux. Oh là 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 là! Bon, on va s'abriter au moins. Très bien fait, la pluie qui passe à travers le toit. Hein. Et on se moque, c'est la même chose dans Skyrim. Moi j'étais outrée quand j'ai vu ça. Alors, ouais, 4 h du matin, donc on va attendre 20 h. Hein. Voilà, on va attendre qu'il soit minuit, on va attendre 20 h sous la flotte, en pleine nuit et en plein jour maintenant. Sans manger, sans dormir, sans asseoir et sans faire quelque. Allez, allez, ouais, il a intérêt à être là. Il pleut toujours. Oh. Ah. Bonjour, Armand, Christophe, c'est à Êtes-vous toi? perplexe? I am very perplexe. J'ai ton truc. Félicitations! Vous revoilà et avec le journal, vous avez gagné le droit d'intégrer la guilde des voleurs. À partir de maintenant, votre loyauté est acquise à notre chef, le renard gris. Bien sûr. Il nous impose 3 règles que vous devez suivre. Trois règles. Alors, ne pas assassiner de cible innocente, faire corps avec la foule et je sais plus trop quoi. Non, c'est pas ça. Tout d'abord, défense de voler un autre membre de la guilde. Oui, ça se comprend, oui. Ensuite, défense de tuer qui que Ah, ce je soit l'avais en dit. mission. Nous ne sommes pas la confrérie noire. À noter que cette règle ne s'applique pas aux animaux et aux monstres. Eux peuvent être tués si nécessaire. Est-ce que les orques sont des animaux? Troisièmement, Oh. défense de voler les pauvres. Les paysans et les mendiants sont sous la protection du renard gris, surtout ceux des quais. C'est bien. Vous
voudriez que je vous donne du travail? Bah oui. Nous sommes des voleurs, pas des maçons ou des scribes. Mm-hmm. Écoutez, les voleurs doivent se débrouiller seuls. D'accord, il faut que j'ai cambriolé. Oui, c'est bon. Il arrive parfois que la guilde accepte certaines missions spéciales. Vous voyez de quoi je parle? Comment garantie des missions spéciales, hein, mon petit. Des clients privilégiés. Pensez à aller voir votre doyen de temps en temps. D'accord, est-ce que tu as des travaux spéciaux pour vous moi? Vous n'avez pas assez d'expérience. D'accord. J'aurai peut-être quelque chose à vous proposer quand vous aurez apporté une contribution suffisante au coffre de la guilde. D'accord. Que l'ombre vous cache. Toi, t'as toujours les boules? Qu'y a-t-il? Ah bah non, elle s'est calmée. Que voulez-vous? Armand, Christophe et... Ils peuvent faire disparaître toutes vos éventuelles... D'accord. Non, bah ça va, elle a l'air de s'être calmée, hein, la petite elfette. Et toi, tu es un moine tibétain, tu dors en lévitant. Est-ce que je peux te monter dessus? Non, elle peut pas. Oh, c'est dommage, j'aurais pu monter un super numéro de cirque, toi et moi. On serait devenus riches et célèbres, et j'aurais pas été obligée de... Oh, bah tu t'es cassé la gueule. Mais pas complètement, t'inquiète pas, tu flottes toujours un peu. T'as un lit à 1,5 m, là, au passage. Enfin bref. Piller une maison. T'as une sale gueule. Superbe, n'est-ce pas? Oh, oui. Elena. Un bateau sacrément beau, avec un équipage sacrément bon. J'en sais quelque chose. Je suis son premier... Alors, croyez-moi lorsque je vous dis qu'on n'aime pas que les gens se mêlent de nos affaires. Si vous approchez de ce bateau, mes hommes vous transperceront d'un coup d'épée. Moi, qu'ils essayent, je suis un souffle de vent. Je suis faible et incapable. Bonjour. Ah, mais je t'ai déjà vu, toi, mais... Arrête de me suivre, espèce de soqueuse. Je suis tout oui, citoyen. Il faut que j'aille cambrioler une maison de riche. Bonjour. Faut que j'aille cambrioler une maison de riche. Bien, ça devrait s'arranger facilement. Ça devrait s'arranger facilement. Bonjour cheval, quand vas-tu cheval? Une maison de riches. Une maison de riches. Interdiction de voler les pauvres. Nanana. On crie pourquoi? Une bonne sœur. Je crois que c'est déjà lui que j'ai volé une journée intime. Peut-être éviter. Salomon Grundy. C'est qui? Mantius Alectos. Ils ont tous des noms, on dirait mes cours de latin. Bonjour monsieur, je ne suis qu'un honnête citoyen qui fait son devoir. Je travaille. Tu travailles, je travaille, je vois pas pourquoi on devrait se gêner. Hein. C'est pas parce que toi t'es garde et moi voleuse que forcément. Je suis nulle en crochetage, je vous l'ai déjà dit. La tentative automatique est meilleure que moi. C'est... Ouais. Oups. Salut fantôme. Tu vas? Tu veux jouer? Tu veux jouer mon chien? Je me sens pas. Tu veux jouer mon chien? Mais oui, t'es un bon chien. Mais oui. Tu t'appelles Charles... Oh, elle a trop une bonne gueule. J'en veux un. Ouais, t'es pas très efficace comme chien de garde, pardon, mais... Mais faut avouer que t'es mignonne. Petite Charlotte. Du bœuf, du maïs, des pommes, d'accord. Non, ça va pas le faire. Une citrouille non plus. Ouh. On va tenter ce coffre. Alors on va dire un tentative auto, hein. Je veux que l'ordinateur est meilleur que moi.
Chaussures en biche, d'accord, j'ai dépensé 25 crochets pour ces putains de chaussures en biche. C'est bien, on commence bien. Du pinard, encore du pinard. Tellement de pinard. Dansons mes amis. Oh. Mais qu'est-ce qu'il me fait ce chien? Mais alors? Bah oui, mon papa, mais non. Mais je vais devoir t'abattre. Ils ont dit que j'avais le droit de tuer les animaux. Ça te dérange, j'en profite? Oh, t'avais de l'or sur toi en plus. Je vais peut-être bien te filer par contre, je sais pas ce que j'ai réveillé. Non, ça doit être enfermé là-haut? Non. Même très facile, j'arrive pas. Voilà, ça c'est fait. Quelque chose me dit que j'ai réveillé toute la maison et. On aura ça en dernier. Y'a pas des trucs intéressants dans le coin? Prendre. Oh, on va prendre. Peut-être se mettre à l'alchimie un jour. Bon, allez, on va prendre aussi. Chimie, c'est bien, c'est pratique. Non, ça on va voir plus tard. Peau d'ours, ça vaut de l'argent, ça. Ça, c'est pour rien, c'est pour rien, c'est pour rien. Alors... Damnation! Du linge, non, des slips, non, un crochet. Oh, un crochet, c'est bien un crochet, ça. C'est très très bien, ça. Oh, visiblement, j'ai réveillé par ça, en plus, ça m'arrive. En massacrant Charlotte. Je m'excuse auprès de toute personne en regardant cette vidéo s'appelant Charlotte. Ça n'avait rien de personnel. On va dire ça comme ça. Bon, hop, ça c'est fait. Allez, ouvre-toi. Merci. Un pantalon cuir lacé. Ouh. Est-ce que je tente la chance? Est-ce que je tente la chance? Attends, j'ai rien là. J'ai rien du tout. J'ai tué un chien pour une peau d'ours et deux cacahuètes. C'est un peu la merde. Bon. Oh, on a une route! On va tout prendre. On va tout prendre. On prend tout. On prend tout. De l'hydromel. Miam. Je suis peut-être chez un nordique. Maintenant que j'ai réfléchi. Il est blond, il a de l'hydromel, c'est un nordique. Des carottes qui lévitent, c'est très rare, c'est très très rare. Beaucoup d'argent. Hop, c'est fringue. Je t'ai volé, t'es calmute. Savinas, on ne sait jamais. Bah j'en ai marre des fringues, c'est bien. Oui, je fais la sauvegarde automatique tout le temps. Oh. Oh, mais vous déconnez, quoi. T'as un corps super bien gardé, à l'intérieur, t'as quoi? Une paire de pompes. Même pas des pompes ensorcelées de la mort, hein. Non, juste des trucs tout moisis. Alors, voyons voir, qu'est-ce que t'as sur toi? Merci, mon brave. Ah, et vraiment désolé pour le chien. Attends, je vais le cacher. Cacher le corps. Alors, je peux pas? Hé! Hey. Non, bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Tant pis, et personne ne m'a vu. Je suis une déesse! J'ai toujours su que c'était la voix qui m'attendait. Je suis tout ouïe, citoyen. Ouais. C'est très con aussi.
C'est quand même à 20 mètres, j'ai fait un refus pas possible. Est-ce qu'on va cambrioler un orc? Dangereux, les hommes, dangereux. Est-ce que j'ai encore de la place sur moi? Non. Pas des masses, non. Pas des masses, des masses. Et ben, on va aller vendre tout ça au receleur et puis on reviendra piller une autre maison. Ce serait trop con de s'introduire pour... Ah, quoi que. Allez, on va piller l'orque. Oh, j'ai réussi à faire un truc, vous avez vu? Allez, bouge-toi. Allez! Oh! Évidemment. Il y a un nouveau, il va falloir décrocher. Alors, j'espère qu'il n'est pas un chien, lui. Que des coffres sur difficile, d'accord. La piquette. Est-ce qu'il y a autre chose que de la piquette? Non. Oups! Pas un pas de plus, vermine! Personne n'enfreindra la... Ouais, c'est ça. Dommage. Très bien. Non. Bon, je me suis fait choper, je crois. Visiblement, ce garde n'était pas si stupide que ça. Donc, heureusement, j'ai fait son garde rapide. Voilà, bon. Bon. Et ben, on va aller cambrioler quelqu'un d'autre alors, c'est pas grave. Qu'à cela ne tienne! Ou quoi que, on va aller vendre tout ça au receleur et puis on. Voilà, hein, ça ira très bien. Hop! Il est où le receleur? Il me semble qu'il est dans une ville toute moisie. Genre. Malheur. Mais alors, c'est où? Ah, c'est à Bruma. Allez, hop, à Bruma! Chez les nordiques compagnons. J'étais parti vers le ruisseau. Bonjour, monsieur le nordique à pieds nus. Ayez pitié d'un vétéran de la guerre. D'accord, j'ai pitié de toi. Un psychopathe en liberté? Mais c'est terrible. Dommage. Voilà. Bon, ça c'était mon petit massacre, mon petit pétage de plomb. Je suis pas encore assez fort pour faire des massacres tout va. Hein. Je crois que j'ai pas encore le niveau pour ça. Il y a une bande d'abrutis qui hurlent sous ma fenêtre aussi, j'aime beaucoup. Oh là là, ces gens dégueulasses avec une vie sociale. Faut me dégoûter de tes viands. C'est là? C'est là? J'ai le droit d'entrer, donc ça doit être là. Salut, hé, debout, j'ai des trucs à te vendre. Allez, debout, espèce d'alcoolique. Je vois que vous êtes avec le renard gris. Vous cherchez un receleur? Parfaitement. Vous avez de la nouvelle marchandise? Oui, c'est pour ça que je viens de voir. Qu'est-ce que tu tires? Oui. Oui, je suis en biche, je veux en garder une paire. Je vais remettre la cime, c'est pense... assez moche. Hop. Je Hop. Pense que pour vous, je peux le faire à ce prix-là. Vous avez autre chose? Ouais. Tiens, une cuirasse de chair, une cuirasse de corolle, que j'ai eu de façon totalement légale et en ne tuant absolument pas un garde. Cela me semble être un prix. Ça, la cuirasse de Dvetch, non, je vais la garder parce qu'elle est quand même surcool. Un pantalon beige, tiens. Pantalon cuir de chasseur, tiens. C'est vivant, tout le bordel volé en fait, hein, tout le monde. Oh bon, les chaussures de biche. Je pense que pour vous, je peux le faire à ce prix-là. Pantalon cuir lacé, je vais en garder un dessus là quand même.
Et c'est une bonne... Je pense... Mais j'ai l'air d'avoir des tenues super sexes, hein, dis donc. Piquette. Je pense que pour vous, je peux le faire à ce prix-là. Vous avez autre chose ? Du bon vin. Est-ce que j'ai autre chose pour toi ? C'est une excellente question. Peau de galopin, je vais les garder. Non, il me semblait que j'avais des peaux d'ours, des trucs comme ça. Des assiettes. Oh, tiens. Assiette. Je pense... Je pense que... Bah voilà, ça y est, j'ai reçu les 100. C'est bien. C'est un bon début. Que... Je pense... Un plantoueur, tiens. Cadeau. Cela me semble être un prix juste. Je trouve pas. Personnellement, j'ai l'impression d'être fait arnaquer. Mais bon, j'avais la flemme de négocier. Je suis content que ce soit fait. D'accord, retourne dormir. Alors, on a toujours été là, ou presque. Cela doit bien faire dans les 300 ans qu'il a pris le contrôle de la guilde. Je ne sais même pas s'il est humain. Ça doit être un elfe s'il est vécu, s'il est vivant depuis 300 ans. Ou alors, est-ce que t'as pensé au fait que ce soit peut-être pas la même personne depuis 300 ans ? Non, tu... Mais écoutez, on va aller voir Armand pour une mission spéciale de l'île des voleurs. Dans l'épisode prochain. Et bah écoutez, en attendant, portez-vous bien. Et ne tuez pas de chiens dans la vraie vie, sinon Brigitte Bardot va encore péter une durite. Et on n'aime pas voir Brigitte Bardot péter une durite, c'est assez moche. Voilà. Bon, et bah écoutez, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao. Oui, je suis Altaï.